là pour le unboxing de d'une radio que j'ai prise parce que effectivement j'étais bloqué avec les flashcards parce qu'on n'avait pas de message à disposition. Et est-ce que c'est la meilleure radio à moins de 100 euros, parce que ça coûte moins de 100 euros sur le papier, probablement oui. Donc Flascal GT5, ça coûte 90 euros. Là, tu es à 96 euros. Avec donc Radio Link. Radio, voilà. Donc, sur la petite box en chinois, hein, t'es tout marqué chinois. Donc, t'as marqué 600 mètres de portée. Donc, ça, on verra. Esthétiquement, on aime ou on n'aime pas, ça, on verra bien. Tu as du gyroscope, bon, ça, on s'en fout. Voilà. Tu as des mixages contrôlables. Tu as surtout des récepteurs qui sont a priori HV, un peu comme Dumbo RC. Y a la radio 3, 4, 6 Chanel. Donc, les 3 et 4 sont encore moins chers. Là, tu as le 6 Chanel, donc tu as plein de boutons où tu peux exploiter, par exemple, tout ce qui est verrouillage, déverrouillage de diff pour faire du crawler, etc. etc. Donc, ça arrivait en 12 jours sur AliExpress. Je me suis pris aussi des récepteurs supplémentaires parce que du coup, j'en aurais besoin pour tous les modèles, hein, globalement. Donc, ça vient avec une instruction en... Bah, pour l'instant, c'est en anglais. Couleur dépliable. Donc, face 1 anglais, I, face 2 chinois. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, dans le menu, tu peux faire donc changer le langage, bon, c'est intéressant, voir le modèle, faire les EPA, donc ajuster les points maximum de tes channels, donc ici tu en as 6. Tu peux faire l'exponentiel, la vitesse de ta servo de direction, l'exponentiel des gaz, la vitesse de tes gaz, l'ABS, gérer la courbe d'accélération, les subtrims, les reverse, les dual rate forcément, le ATL, donc ça c'est bien parce que du coup tu peux avec un bouton tu peux ajuster directement via ce bouton la puissance de tes freinages. Donc ça c'est super bien quand tu es sur, par exemple, typiquement sur l'AFG, hein. C'est vachement bien parce que tu n'as pas besoin de faire 43 milliards de manip, tu as juste un bouton. Tu as ensuite des alarmes, des gyros, du fail safe, de l'ID. Donc vraiment, et puis des mixages libres. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc on va regarder, donc ça vient avec... J'ai pas encore regardé, je suis comme vous, hein. J'ai juste ouvert le carton. Ça vient avec une petite cordelette. Voilà. Donc ça c'est sympa, c'est ça, une bonne attention. Moi je me suis commandé donc deux récepteurs 6 voies supplémentaires. Donc celui-là c'était avec les gyroscopes et ça va jusqu'à 12 volts la réception. Donc tu peux mettre jusqu'à 12 volts dans ces varios. Donc tu peux mettre directement une 3S là-dedans. Clairement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça vient avec du scotch rogène pour coller les les récepteurs. Ça vient avec celui-là, je pense, qui est d'origine. Donc là, ça fait un peu avion de chasse. Voilà, t'as la télémétrie avec. Donc la télémétrie, j'imagine que c'est pour tout ce qui est port. Voilà, port, notamment tout ce qui est voltage. Parce que dedans, ils mettent en même temps, voilà, ce petit chinte que tu viens brancher sur ton port de télémétrie ici. Je pense que c'est ça, voilà, et en fait tu viens faire l'intermédiaire en fait entre ton vario et ta dipo, et ça te vient en fait te retransmettre la batterie, le voltage de ton vario, de ta batterie, excuse-moi, je suis ému, donc ça m'a l'air pas trop mal cette histoire quand même, c'est sympa. Bon, après t'en as pas forcément super besoin, soit, je suis d'accord.
Ils te mettent plein de scotch 3M pour coller tes varios. Ça, c'est super bien pour coller tes varios, coller tes récepteurs, tes boîtes de récepteurs, ce que tu en as besoin. Et voyons ça. Voilà. À quoi elle ressemble. Alors, certes, c'est clair, ça fait plastoc. Ça, tu peux pas le nier. Hein. Clairement, la poignée ici, c'est du plastique. C'est pas de la mousse, c'est pas un grip, entre guillemets. Donc ça, ça fait un peu chipouille. Au niveau de la connectivité, donc tu as on-off, tu peux le recharger ici via un cordon de puce banane. Tu as même une prise USB, a priori, voilà, une prise USB, USB. Donc soit pour charger, soit peut-être pour le brancher sur l'ordinateur, il faut que je regarde. Ça, c'est une autre question. Ensuite, on off, tu as une molette, voilà. Typiquement ça c'est pas mal pour gérer ton taux de freinage. Si tu peux l'attribuer à ça, tu freines plus ou moins, voilà, tu rapidement en air. Les boutons, trois positions, ouais, deux trois positions, donc ça c'est super bien pour ceux qui veulent première, deuxième, marche arrière ou l'octet, voilà. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui aiment un peu le crawling, je pense que t'as pas mal de possibilités là-dessus. T'as encore un switch ici, donc peut-être pour tu peux allumer une lumière, comme ici là sur la poignée, t'as encore un switch. Donc là j'attends juste, entre guillemets, d'avoir la lipo, parce qu'un des trucs problématiques c'est que tu dois mettre 6 piles. Bon, ça fait un peu dommage, donc j'ai commandé la lipo qui vient se loger à la place du... Tu vois, tu peux l'enlever à la place du casier là. Tu l'enlèves. On va essayer de pas tout casser tout de suite. Voilà. Tu mets ça et tu viens me brancher ta lipo directement ici sur ta prise GST. Le petit truc aussi, c'est qu'il va falloir faire attention à l'antenne. Parce que elle se. Voilà. Ça peut vite partir en défect. Ça peut vite partir en nouille. Donc là, c'est bien aussi de te mettre les plus et les moins quand tu vas remettre tout ça. Donc, moi, je vais m'empresser d'aller chercher 6 pipis parce que j'avais pas prévu, évidemment, hein, que j'avais oublié d'aller les chercher avant de les mettre. Voilà, vu comment c'est mis, ça va être sympa encore à remettre cette histoire. Comme ça. Ou pas. Là, c'est encore un truc que j'aurais pas dû faire, tu vois. La 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 la. Non, attends. Il y a une languette. Il y a une languette. La languette, j'imagine que ça va par là. Donc le poids est plutôt léger, mais je pense que quand je vais mettre les 6 lipos, ça va. Le volant est en mousse, plutôt pas trop mal. Les trims classiques, direction, turtle et auxiliaire. Donc encore une possibilité de réglage. Tu accroches ici ta radio. Ça fait que... Ning, ning, ning. Vas-y, Jocky, vas-y, Jocky, deux fois, vas-y, Jocky. Et donc, on va l'allumer, il faut juste aller chercher des pipiles. A tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est allumé, donc pas le petit bouton. Ici, tu as le voltage de tes batteries. Le petit moment satisfaisant, enlever le cache. Ouah, elle est plus neuve. Là, t'as tout le raccourci. Ouais, je te l'achète pour 20%, maintenant, il n'y a plus le pile de protection. Donc là, par contre, tu vois, au niveau équilibre, effectivement, ça va déjà mieux. Tu sens que tu as quelque chose. Par contre, c'est vrai que pour... ouais. Ça ne s'adaptera pas toutes les mains, quoi. Parce qu'effectivement, c'est ouais, c'est pas très confortable. Ça, faut être honnête. Donc après, dessus, le menu, tu as la gestion de tes différents voix. Une et deux, par exemple. Et là, après, j'en sais rien. Donc on va essayer de rentrer. Alors,
existe. Donc là, tu as la position de toutes tes voix. On voit qu'il y a une voix 4 qui est à moins 100%. Et la voix 4. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, c'est parce que je ne suis pas au centre sur les butées. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, c'est un bouton pressoir. Mignon, mignon. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée, Mimine. Donc. Alors, press both. Ah voilà. Oh. Donc, au niveau des. Donc, tu entres, j'imagine. Hop là. Tu peux choisir entre chinois et anglais. Je pense que si tu la mets en chinois, t'es dans la merde. Donc, on va la mettre en anglais. Voilà, entrée. Il y en a, donc le modèle, bah, tu choisis, il y en a combien de dispo? Donc tu en as, ça marche comme ça ou pas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, t'as 10 modèles. Donc là tu choisis, et après, tout simplement, tu vas là, tu entres, tu modifies, plus, moins, tu entres. Alors est-ce que voilà. Plus moins tu fais gauche droite et entrée tu fais chaque item. Voilà donc après ça se fait comme ça. Je suis juste à bien sûr de voir. Bon tout ça c'est facile entre guillemets. J'ai juste de voir les mixages. Il va falloir que je lise parce que effectivement tu vas définir en fait tes différentes voix maître et esclave. En fait ça va être comme ça. Hein. C'est que tu vas définir par exemple que ton que ta voix 2, donc des gaz, et le maître, et tu vas mettre ta voix 3 qui va être mon troisième frein, qui va être esclave, et tu pourras régler. On va voir ça tout de suite, on va essayer tout de suite sur le mode de réglage pour voir si ça fonctionne. Sur là, et Porsche. Donc, on se laisse là 3 secondes, je vais essayer de tout brancher, de mettre les. Mettre le. Tout ça sur un cerveau. Tout ça sur un vario, on va changer, on va le binder et on va voir comment ça fonctionne aussi le bind d'ailleurs. C'est une bonne question ça. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai réussi à binder tout ça, alors rien de plus simple en fait, globalement. Vous avez un petit interrupteur sur les récepteurs ici que tu vois là. Tu allumes ton récepteur, ta radio, tu appuies sur ce petit bouton avec une vis, avec une spatule, avec ce que tu veux. Ça clignote vite, ça s'arrête parce que c'est bindé et c'est finite. Ensuite, voilà, j'ai réussi rapidement, facilement à faire mon mixage. Donc là, j'accélère. Regarde bien le cerveau. Avant, je vous rappelle, là, j'étais branché sur en cordon Y sur la voie 1. Donc ce cerveau était totalement sur la même commande que ma voie d'accélération. Sur ma voie 2, pardon, la voie du vario. Donc là, tu vois, j'ai dit que je ne voulais pas que quand on accélère, ça bouge. Par contre, tu vois, ça freine quand je vais en arrière. Et ça freine. L'avantage, c'est que je peux, par exemple, individuellement bouger du coup mon subtrim ici pour éventuellement rattraper un petit peu d'avance ou laisser un peu plus de relâchement par rapport à l'enclenchement des freins avant, par rapport aux freins du vario sur l'arrière. Donc, ça permet de jauger un petit peu. Et puis voilà, donc globalement pour l'instant, bah écoute, ça fonctionne. Hein. J'ai pas là-dessus, il n'y a rien à dire. Mine de rien, c'est... Mais après, voilà, c'est vrai que le petit regret, c'est vrai que c'est niveau qualitatif, la GT5 est, je pense, mieux finie que celle-ci. Maintenant, voilà, est-ce que c'est la meilleure radio d'en dessous de moins euros, 100 euros? C'est surtout la meilleure radio pour celui-là qui lui plaît, hein, globalement. Mais voilà, au niveau qualitatif, peut-être pas. Peut-être la GT5 est quand même mieux. Mais celle-ci, au niveau des possibilités de réglage, des possibilités de travail, elle a toute une grande, en fait, voilà. Elle a toute une grande. Mais là, il faut qu'un peu je tripatouille. Après, c'est avec l'expérience, hein, que je tripatouille un peu tout ça, voir ce que ça dit au niveau de... attribution de tous ces petits boutons et tout ça, que je regarde un peu plus. Et voilà, globalement, là, ça m'a pris les 3 minutes pour régler ce mixage, donc globalement, c'est quand même plutôt simple.
Et puis on se fera une petite review. Ah, tu vois. Oui, il y a des channels, je pense, qui sont attribués à divers positions. Là, par exemple, je suis channel 5. Et là, tu vois que c'est le channel 5 qui est géré par ce petit bouton. Donc ça, c'est peut-être un peu dangereux. Je vais peut-être voir pour le mettre ailleurs. Voilà, tout ça, faut que je voie. Faut que je vue. Ah bah, c'est marqué. Alors. Sur les Switch. Ah, on peut même mettre un FFP device ici. Tu peux visser ton truc FPV. Donc, tu as ici le channel 6. Là, tu as le channel 5, celui d'à côté, on vient de le dire. Tu as le VR, donc 3. Ça peut être pas mal par contre, si je le mets sur le 3. C'est bon? Ça, je vais faire après. Parce que là, du coup, ouais, ça peut être pas mal. On va voir ça. Attends, je reviens, je me reviens, je me reviens. À tout de suite. Donc, tu vois, en fait, oui, c'est ça. Globalement, on découvre. Tous les boutons, en fait, sont attribués à des canaux. Donc, tu vois, par exemple, j'ai mis le frein avant sur le channel 3 qui est défaut sur ça. En fait, ça me permet de régler, par exemple, en raccourcissant ou en augmentant la tension du câble au moment du mixage, je vous rappelle, et ben, si je suis plus tendu, et ben, j'aurai un freinage plus important parce que la course reste identique. Mais si je suis plus tendu, ben, ça va tirer plus fort. A contrario, si je veux un peu moins de freinage, je vais mettre plus de mou. Et donc, au final, j'aurai sûrement une douceur un peu plus importante sur les freins avant. Ça peut être pas mal. Après, c'est assez exposé. Donc, c'est vrai que pour avoir un truc. Voilà. Maintenant, il faut que je manipule un peu la chose. J'espère qu'il est. Oui, je pense qu'il est. Faut que je manipule un peu la chose, voir ce que ça dit. Et puis voir comment on se fait. Mais c'est vrai que la prise en main. Ah, c'est peut-être le seul truc, quoi. La prise en main est pas forcément hyper optimale. T'as un truc hyper massif devant, là. Bon, voilà. À voir dans le temps. Ah, peut-être que je mettrais, vous savez, un peu de gomme de raquette de tennis, des trucs en dessous là pour avoir une accroche un peu plus. Parce que je pense qu'en été, avec la sueur et tout, ça va pas être super agréable. Tandis que le volant est quand même plus qualitatif, entre guillemets. Voilà, mon petit première impression, première utilisation vite fait de cette radio. Maintenant, à voir dans le temps si c'est vraiment la meilleure radio en dessous de 100 euros à la maison sur AliExpress. Elle est vendue aussi, je crois, en France, hein, un tout petit peu plus cher. Voilà. Allez, à plus!